Ligi, toye batanze mbo na mémoire ya papa na biso atiki biso. Zembo tant tozoye bango, bien sûr to bini. Bien sûr to seki to sepeli mais quand même to bito zonga na kati na biso. Ani yo za de konaye o comprendre que non. Le les jours à souka ozo se séparer na ndeko non, na nzoto. Mais na moli moti biso akoya. Na motant tozoye manzembo yo, bandaka koyemba na motema ozo méditer yango. Bonjour messieurs et dames, votre attention s'il vous plaît. Je vous prie de vous tenir debout pour accueillir le corps. Bien. Le corps de liste a disparu, il s'agirait bien. Docteur Zita Dinzita, qui a pris Stéphane. Pour tous ces lignes qui connaissaient bien, nous on l'appelle le chancelier. Alors, je vous prie de vous tenir debout. Ensuite, il y aura des mots de remerciement
de la famille. Et à la fin, le dépôt de Jean Béclair, les derniers hommages. Suivi de la cérémonie académique par les étudiants et corps professoral de l'ICI. Rapidement, je m'aimerais bien retracer la biographie de l'illustre Alistair. Là où un décès survient, il s'avère important qu'un mot soit lancé, qu'un message soit passé. Nous sommes deux humains, l'homme est failli, tout homme est mortel, et voilà aujourd'hui la mort a pu prendre dans un Stéphane, Zita Gizita, qui a pris. Sa biographie. Docteur Zita Gizita, qui a pris Stéphane. Né à Kélébangou, Tchéla, le 30 septembre 1960, fils d'un enseignant. Il a fait ses études primaires à Kamilelo, puis à Madouda, pour aller finir son cycle secondaire à l'école de frères chrétiens, actuel IBM à Goma. Il a obtenu son diplôme d'État en sciences commerciales. Après avoir fini son études secondaires, il a travaillé comme enseignant. Ensuite, il a travaillé comme directeur d'internat à Kingonzi, à Kingonzi. Voilà. Docteur Nzita Bizita, Kiakou Stéphane, père des quatre enfants. Daddy, Aris qui sont là présents avec nous, Yadan et Army qui sont présentement aux États-Unis. Nous sommes de cœur avec vous. Il a fait ses études universitaires, telles que la licence aux États-Unis, à Genova College, où il a fait la chimie industrielle et biologie en 1986. Il a obtenu son master en relations interculturelles en 1990, docteur en administration des sociétés et docteur en psychologie pastorale. Donc comprenez, il fit pasteur. En 1993, il créa l'Université chrétienne internationale du Zaïre à l'époque, actuellement ICI, Université chrétienne internationale. Durant ses 19 ans, aux États-Unis, il a travaillé comme consultant, chimiste et pasteur, retenant qu'il était né d'une famille de 10 enfants, 5 filles et 5 garçons, dont une fille le nez de sa famille, pour enfin chuter. Docteur Zita Linzita Stéphane Kiakou. Sa mort est survenue un certain 10 avril à 19h en ce lieu même. Fin biographie. Alors rapidement, nous allons passer maintenant à l'étape suivante. C'est maintenant l'étape de témoignage. L'étape des témoignages, je vais prendre trois catégories. Nous allons commencer par la famille biologique, une personne. Ensuite, les amis et connaissances, une personne, pour gagner du temps. Et les membres de l'ICI, une personne. Alors, je vais commencer par un membre de la famille. C'est un grand frère. Nous, on était encore trop petits. Lui était déjà aux États-Unis. Déjà à l'école secondaire, on s'écrivait. Il a témoigné que j'avais une bonne expression anglaise. Et quand je l'ai connu, quand il commençait à venir ici, j'ai retenu de lui certaines valeurs. D'abord, très simple, malgré ses titres académiques et ses capacités, mais il était très simple pour l'aborder.
de deux, lui, on ne peut pas le bloquer à une citation. Il n'y a pas de citation qui peut le dépasser. Il n'aime pas aussi entendre nous, ses frères ou ses sœurs, dire « Non, je suis bloqué, je n'arrive plus. » Il nous disait souvent « À tout problème, il y a une solution. » Et nous avons vu en lui un grand manager, un grand créateur d'emploi. Il nous encourageait toujours de ne pas accepter la pauvreté. Quand tu dis que tu es pauvre, lui n'acceptait pas ça. Il te dit, Dieu t'a créé intelligent, tu as toutes les facultés. Même si tu es né d'une famille pauvre, tu ne peux pas demeurer pauvre. J'avais remarqué aussi en lui, c'est quelqu'un qui avait une vision très poussée en avance. Il peut raisonner des choses que, par exemple, je peux vous dire, aujourd'hui, dans le monde universitaire au Congo,